J'en ai préparé plus qu'à l'accoutumée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez davantage. C'est moi ou la garniture aussi est plus riche que d'habitude? Tu as l'œil. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un visiteur de Crystarium. Donc, j'ai fait un petit effort. Ne vous en faites pas, voyons. Tout le plaisir est pour moi. Votre visite égaye un peu mon quotidien. Vous aurez compris que nous avons rarement l'occasion de sourire en Amaren. J'ai emmené ma mère ici lorsqu'elle a été blessée par un purgateur. Depuis, je n'ai plus quitté cet endroit. Les gens savent qu'il n'existe pas de remède. Mais ils n'ont pas le courage de mettre un terme à l'existence de ceux qu'ils aiment. Alors, ils s'en remettent à nous. Il n'y a aucun espoir ici. Tout ce que nous avons à leur offrir, c'est un peu de répit et de la dignité dans la mort. J'ai beaucoup pleuré lors du décès de ma mère. Mais j'étais soulagée de la voir partir avec un sourire sur le visage. Je sais ce que vous pensez. Est-ce juste d'ôter la vie à ces gens tout en espérant que ce monde soit un jour sauvé? C'est peut-être égoïste. Mais je me dis à chaque fois que c'est le guerrier des ténèbres qui devrait s'acquitter de cette tâche ingrate. Le guerrier des ténèbres? Tu n'en as jamais entendu parler? Je n'en connais pas l'origine, mais c'est une histoire connue de tous ici. On dit que le guerrier des ténèbres est un messager de la mort, qui descend sur Terre pour faucher les vies et les renvoyer à la sombre mer céleste. Humain comme purgateur, personne ne pourrait échapper à son courroux. Bien sûr, cela relève plus du mythe que de la réalité. De toute façon, si quelqu'un avait déjà croisé sa route, il ne serait plus ici pour en parler. Quelle légende sinistre! Tu trouves? Moi, j'aime bien le fait qu'une personne soit là pour apporter la mort à la fois aux humains et aux purgateurs. Il arrive. Teslin, c'est terrible! Alric a disparu! Je l'ai laissé sans surveillance l'espace d'un instant, et quand je suis revenue, il n'était plus là!
Tu as trouvé quelque chose ? Le purgateur que tu as vu ne me dit rien de bon. Alric n'est sûrement pas allé bien loin. Continue à chercher. Il est énorme! Suivons-le! Il nous mènera peut-être à Alric. Le voilà! Oh non! Alric! Viens vite! Tu sais, tout le monde a son rôle à jouer dans ce monde. Tu dois être fort pour ceux que tu aimes, jusqu'au bout. Merci pour tout, maman. Thank you.
Jocelyne!